Depois agora com esta diminuição de fator, provavelmente não é errado o equilíbrio que nós temos no espaço de jardim. Mesmo no espaço de espetáculo de teatro, só que não pode fazer uma apresentação de teatro. E après, on peut décider de faire une salle de conférence et de mobiliser. Côté déjà dans le collège de Paris, on peut utiliser pour proposer tout ça. La nature du parti assure la pratique sportive. La pratique sportive aussi. Pas très sportive. Donc, toujours en plus, on peut avoir une espèce de situation venant de l'espace. À coopérer. Il fait les cours, les sacrifices surtout. Vous faites des cours, bien comment ça se passe Avec les filles, voilà, on m'a dit. Ils ont commencé. Et leur apprend à faire du dessin. On va pas dire sur ceci. Okay. On fait de la peinture sur verre. Toute la décoration. Même sur le mur, sur les tables. Sur le verre, sur les. Tout ce qui est après la décoration. Décoration. Chaque activité a ses gens. La classe, il y a le verre. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Tout est gratuit. Avec les volontaires. Elle apprend comment dessiner. C'est un peu la valeur que nous avons au Sénégal. Ça, c'est un peu voir. تبارك الله عليكم السادة تبارك الله عليك En conséquence, les associations demandent des sessions de formation, ils lancent un programme et l'administration, un programme selon un dispatch, un tableau qui donne à chaque association une séance et on fait monter bien sûr l'information du service conseiller au niveau central et régional et puis le programme est validé. Ça entre parmi l'encadrement de la jeunesse, aussi parmi l'encadrement du tissu associatif de chaque province, de chaque préfecture bien sûr. On a en général deux types d'actions. L'action directe, c'est fait par le biais des animateurs, les cadres de notre
la stratégie de ministère. Et la deuxième action, ça se fait par, c'est par le biais des associations industrielles. Quelles sont les activités qui sont portées d'ailleurs par le ministère? Actuellement, nous avons deux dans ce mois, nous avons deux volets. Le volet de l'impact du changement de législation des gens et par le biais de on a déjà organisé sur le plan régional un setup. C'est après les élections provinciales, on a, avec le jury d'UNICEF, on a bien choisi les meilleurs thèmes, les meilleures projections, les meilleurs projets. Parce qu'on a formé les jeunes comment faire monter les projets, comment faire valoriser le projet. Maintenant, on prépare le camp national. C'est le bout national, c'est le bout international. C'est les deux de grands thèmes. Avant, on a travaillé sur l'insertion économique. On a des ateliers avec l'agence ANAPEC, c'est l'agence de promotion de l'emploi, qui fait la formation pour les jeunes. Comment rédiger le CV, comment faire les entretiens, comment cibler selon les compétences des jeunes. Ok, et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des programmes nationaux qui sont transversaux avec d'autres départements. Avec d'autres départements et qui permettent justement d'utiliser les maisons de jeunes comme étant des noyaux dans lesquels se focalise tout l'effort à destination de la société civile. Ça permet déjà de leur offrir ne serait-ce qu'un espace dans lequel ils peuvent travailler, parce que les associations, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas toujours pignon sur rue. Parfois des associations qui ont du mal à mobiliser déjà et la logistique nécessaire pour pouvoir travailler et ainsi proposer que, des animations au niveau local. Exactement. C'est bon, donc je vais. شكرا. يبغاش مرور الكاميرا. شكرا. شكرا. Ok, très bien. Donc, c'est bien sûr. Ok, maintenant, après, est-ce que vous avez un championnat? Oui, oui, bien sûr. De gaming? Oui, bien sûr. On a déjà une fédération de e-gaming. Oui, et nos gens participent souvent au tournoi. Le tournoi se participe bien. Oui, dernièrement, on a une équipe nationale qui est située dans le club. Qui participait en Espagne pour la championnat. Non, l'idée que là, c'est peut-être permettre à chaque maison de business d'avoir une équipe de gaming. Quoi. Oui. Et après, l'idée, voilà, après travailler à organiser un championnat. On est un provincial, et bien sûr, il y aura une autre étape où chaque maison de business pourra s'approprier. Vous avez presque tous les jeux. Hein. Les consoles dans le type de PS5, PS4 sur votre structure et on a aussi les PC gaming. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui est porté par la société. Cette idée qui a à cœur de la BDP. Nous aussi, nous avons reçu une proposition pareille dans un comité de gestion local. À la demande, on aura peut-être la possibilité de passer du national vers le régional, donc faire des compétitions entre différents pays, monter en compétences aussi. Compétition bien sûr. صباح الخير مزيان من شوف تي في كما كتشوفوا يعني دار الشباب بأوراق يعني بجودة عالية صراحة يعني لأول مرة غنشوفو يعني دار الشباب بهاد التجهيزات بهاد يعني الأطر الرائعة كنشوفو الأطر الجميلة اللي كتساعد الأطفال يعني باش يتم الرسم Thank you.
Mais pour cette section, elle est animée par qui? Par les associations ou bien par l'État à travers les... Les gens qui sont et aussi très conditionné dans des conditions de réussite. إذا المتابعين الكرام متابعي شوف تي في كما كنشوفوا أطر جميلة ورائعة اللي يعني كتحاول باش تساعد الشباب يعني على الرسم وكذا الإبداع. يعني لأول مرة غنشوفوا دار الشباب بهذه الجودة الرائعة. خليكم معنا متابعي الكرام متابعي شوف تي في يعني كما كتشوفوا طاقم جميل يعني لا من الموسيقى ولا من الرسم لا من يعني هذا الاستوديو الموسيقى يعني تعليم الاطفال يعني كيفاش الغناء هناك أطر جميلة ورائعة كيف يعني تعلم أطفال للموسيقى للرسم للإبداع يعني لأول مرة نشوف دار الشباب يعني في هذه الجودة جودة عالية يعني في هذه الأيام كانت زيارة وزراء أفارقة اللي جاءوا يعني برافو Voilà, tu pourras peut-être faire la même chose. C'est bien.
إذا هكذا الأجواء في دار الشباب بارورا، يعني كما كنلاحظوا الجودة جدا عالية. إذا أطر جميلة للرسم، يعني لا من الأطر الرسم ولا من أطر الفن، يعني تنقول لهم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. هناك صورة تذكارية Thank you.